IOI, RDR et NRA, le menu cryptique de ce 1+1 flash du 27 mai, c'est parti. IOI pour IO Interactive dans la tourmente cette semaine se voit contraint d'annoncer des licenciements. Pour comprendre la situation, il faut remonter 15 jours auparavant où Square Enix, propriétaire du studio danois, décide de rompre toute collaboration avec ce dernier. Les ventes de Hitman ont-elles été en dessous des objectifs fixés par Square Enix? On ne le saura pas, toujours est-il que cette décision va probablement impacter le développement des DLC de Hitman et des futurs projets de IO Interactive. Bon courage à eux en tout cas. RDR pour Red Dead Redemption 2, annoncé le 20 octobre dernier avec une date de sortie fixée à l'automne 2017, Rockstar vient de le repousser à un vague printemps 2018. Pour éponger les torrents de larmes des fans, Rockstar lâche 5 screenshots du jeu en espérant que ce report nous permettra d'avoir une version PC en même temps que les versions consoles. On peut rêver ? NRA comme Far Cry 5. En effet, après un épisode qui sortait des sentiers battus, Far Cry Primal, qui nous plaçait à l'époque de la préhistoire, Ubisoft revient à ses premiers amours dans une époque contemporaine remplie à ras-bord d'armes à feu. Vous incarnerez un ou une jeune shérif fraîchement muté dans la ville fictive de Hope County dans le Montana. Il vous faudra tenter d'endiguer la montée en puissance d'une secte religieuse qui tentera de mener un coup d'état. Des bateaux, des avions, des quads, des semi-remorques, des mercenaires à recruter des animaux pour vous aider. Rendez-vous le 27 février 2018 sur PS4, Xbox One et PC. Ce 1+1 flash est maintenant terminé. Rendez-vous samedi prochain pour toujours plus d'informations sur le jeu vidéo. Bye bye.